Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon, le visage en sang, marqué par la violence de l'attaque dont il vient d'être victime. À Marseille, le club rhodanien s'apprête à disputer le match de clôture de la 10e journée de Ligue 1. Sur le chemin du stade, le bus est la cible de projectiles. Oh la vache, ils ont pulvérisé le groupe. Sur cette vidéo amateur, on voit l'un d'entre eux venir exploser l'une des vitres du car, alors escorté par des véhicules de police. Dès hier soir, l'Olympique lyonnais a condamné dans un communiqué les attaques subies à Marseille. L'Olympique lyonnais invite les instances à prendre la mesure de la gravité et de la répétition de ce type d'incident avant qu'un drame encore plus grave ne se produise. Privés de match, les supporters marseillais se disent quant à eux très déçus par la tournure des événements. C'est inadmissible. Après, c'est déjà, on se trouve, ils n'ont même pas de billets, c'est déjà dans la rue. Très déçu. Moi, de base, je suis marseillais. Je viens de Suisse puisque je travaille en Suisse. Je suis venu exceptionnellement pour le match. Et ça m'énerve qu'il y ait des supporters comme ça qui gâchent un peu la fête de tout le monde, quoi. Les deux clubs ont d'ores et déjà annoncé vouloir porter plainte dans les prochains jours.